The Eastern Townships is another discovery. It feels so vast, like there's something just waiting to be discovered every couple of miles. You think you travel for the food, but it's really about the people. The products seem happy, like the people who are happy to make them. Bonjour, Jean-François, ça va? Très bien. Bienvenue dans le canton de l'Est. C'est beau, hein? Incroyable. How do you make your food stand out in the world of cuisine if not through the ingredients that go into it? It's the only way. On est très chanceux dans la région, on a beaucoup de producteurs, maraîchers. T'es content de travailler dans cette région? Ben, c'est facile. Pour un chef, c'est ça, quoi. Ça donne l'identité, justement, à la cuisine que je fais. Francis has everything he needs nearby. C'est bon, hein? He gets what he needs from a farmer, and that also helps him create his own original cuisine. C'est des fermes à grandeur humaine. Dans le cas ici présent, c'est une ferme familiale qui a de la relève. Ils travaillent super fort pour nous offrir un lait d'une belle qualité. Les animaux font ça dans la nature. Le grand soleil, ils mangent de l'herbe. Mais on t'initie à la traite des vaches. Ah ben, si je traite les vaches, c'est toi qui vas faire la crème. Ce qui est intéressant aussi avec la crème, c'est que nous, on la travaille sans rien rajouter. Donc, je peux pas la rater ce soir, la chantilly. Non. Si je la rate, c'est qu'il y a un problème. J'ai plus jamais regardé pareil ma glace vanille. You can tell that they're very happy to make the products. They are on the farms with the kids, and the kids are running around in the grass having fun. And that's what's so nice to see. The people I've met are all passionate. Bonjour. Bonjour. C'est magnifique, français, hein? C'est incroyable ici, ce jardin là, ces vignes. It's funny. The winemaker makes his wine. He says, "My dream was to own a small vineyard." Et le but de la fin de ma carrière, c'était d'avoir un petit vignoble. Il faut apprendre à connaître le sol, mais il faut apprendre aussi à lui parler, c'est-à-dire lui demander ce qu'il veut, comment il se comporte. C'est toujours quelque chose de boire le vin au milieu des vignes, quand même. Oui. Ça raconte une histoire, quand même. Donc regarde, je vais vous laisser ça pour essayer avec la pintade. Ouais. Et merci. Salut. Hein. On va où alors, Francis, là? Je te mène à la rencontre de Marie-Thérèse, la ferme au pied levé. Les animaux là-bas sont vraiment bien. Marie-Thérèse est vraiment près de ses animaux. Elle s'est nourrie biologiquement et en liberté. Bienvenue à la ferme au pied levé. On fait du veau, du bœuf, du porc, du porcelet, du chevreau, de l'oie, du canard, de la pintade, de la dinde sauvage. Jean, tu veux essayer? C'est du lait de... Ouais, j'ai tout donné, là. Vous êtes à fond, prenez jamais de vacances, hein, là, c'est... On va s'arrêter tout à l'heure, on va prendre un verre de vin. C'est un style de vie. C'est de regarder le moment présent, d'être ici et maintenant. C'est bien, ça fait penser au principe de la méditation quand j'entends ça. Ça, c'est la... ça, c'est la vie au Québec, ça. Hein. Voilà, tienne. Ouais. Ce que je trouve génial quand tu me racontes ta cuisine, c'est qu'on a rencontré la personne qui fait la pintade, la personne qui fait le vin, la personne qui fait la crème. C'est tellement ce que j'aime dans la cuisine. C'est-à-dire, j'essaye de faire ça en France et d'aller à l'autre bout du monde, d'être à 7000 km de chez moi et de me rendre compte que tu fais pareil, c'est... Je sais pas, je me sens bien, ça me rassure. Les chefs ont une fierté à développer les produits de leur région. C'est ce qui fait que le Québec se développe vraiment, le côté des produits là, qui se distinguent des autres. Allez, les pintades? Ça, c'est la pintade de Marie-Thérèse, ça? Oui, avec le vin de Jean-Paul. Tu mets oignons, des céleris, tu prends une canette, tu me fais une pintade. Ouais. Et toi, je sais que je vais le refaire, ça. Même la courge, là, la courge avec le piercing, là. Je vais l'appeler la courge piercing. La courge piercing. Mais la courge piercing, là, j'adore. Agrafé. Francis, by making dishes from his local cuisine, magnifique. He becomes an author promoting his region. Je sens que vous avez faim, là. Hein? Like a musician or a filmmaker. Actually, when a chef uses local ingredients in a dish, the dish reflects the region. Faut pas dire à Francis que je fais que tout manger avant parce que après, je vais me faire engueuler, quoi. Ok, papa. Merci, chef. Et voilà. Ah oui. Tiens, goûte ça, tu vas voir. On va la mettre. Ah non, il y a même. This cream is outstanding. I tasted it without knowing who produced it, and in fact, that's what this was. The cream was a reflection of the people who made it. The cream was smiling. Elle est exceptionnelle, la crème. On a l'impression de manger les cantons de l'Est. Hein. They are passionate people who want to pass on what they do to the kids, and they want the kids to do the same. That's what I felt in the Eastern Townships.
it's so easy to fall in love with these authentic and down-to-earth people. Et merci pour vos beaux produits. Félicitations à la vôtre. Bienvenue au canton de l'Est. Allez. J'ai dit bienvenue comme si on était chez moi. Santé. Belle tablée, hein. Bah, j'ai démonté un demi-bleu, là. Et je fais que de bouffe aujourd'hui, hein. C'est l'orgie. Hein.